Ah, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça, ma chérie? C'est Lucas qui m'envoie des messages. Il me demande quand est-ce qu'on arrive au camping parce que lui est déjà arrivé. D'accord, bah écoute, tu peux lui répondre qu'on arrive d'ici 2h30 à peu près. T'as pas hâte de le retrouver? Si, si. C'est juste que, tu sais, on a bu le thé ensemble l'année dernière et maintenant c'est un peu bizarre. D'accord, bah écoute, si tu n'as pas envie de reboire le thé avec lui, il n'y a aucune obligation. Tu lui dis non, il comprendra. Et tu peux aussi venir m'en parler à tout moment si tu as besoin. De toute façon, j'ai plus très soif. Ah, salut Angèle! Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça faisait longtemps le voyage, il est long. Bah ouais, depuis le temps, toi aussi. Ah, t'es toute belle depuis l'année dernière. Merci, toi aussi. Et du coup, tu pars quand à Venise? Eh ben moi là, j'y vais en fin de semaine, ça va être trop bien. On va faire des balades. Salut, je peux jouer avec vous? Oui, vas-y, viens. Tu t'appelles comment? Clara. Clara. Et vous? Moi, c'est Claudia. Et moi, c'est Antoine. On est cousins. T'as quel âge? 12 ans. Ah, trop bien. Et t'as vu un peu les animations du camping? T'as vu en fin de semaine là, il y a une boum. Tu voulais y aller ou pas? Bah, moi, ouais, j'avais prévu d'y aller. Ah, bah, super. Ça se dit qu'on se voit genre après au mobilhome. Pour jouer ensemble et tout. Ouais. Toi, t'as quel mobilhome? Le 5. Le 5? Ouais. Ah, oui, bah, comme ça, on pourrait. Clara, papa t'appelle pour venir manger. Ah, ok. Bah, bon, salut. Bon, salut. Au revoir. Bah, plus tard, du coup, on viendra te chercher. Hein. Ok. Je trouve pas qu'elle est belle quand même. Ouais. J'ai trop mignonne. Bon, tu te souviens l'année dernière, on avait bulleté, on pourra le refaire cette année. Pourquoi tu me parles de ça? Je viens d'arriver. Bah, moi, je sais pas. Je trouve que c'est le bon moment. Ça laisse le temps d'infuser. On peut en parler tranquillement. Puis, je trouve que c'est le bon moment. Bah, ouais, mais là, je suis fatiguée. J'ai pas envie d'en parler. Bah, en soi, on fait que d'en parler, hein. Je te demande pas de le faire. Là, c'est toi qui pars à cran. Bah, là, on vient d'en parler, alors laisse-moi tranquille. Oh non, désolé, je t'ai pas fait mal? Non, t'inquiète, ça va? Bah, ça va super. Tu veux venir jouer? Ouais, carrément. Cool! Merci en tout cas, tu m'as sauvé. Bah de rien, ça me fait plaisir, t'avais l'air d'être pas en très bonne situation avec ton copain. Ouais, il est un peu relou en ce moment, il fait tout le monde poser des questions un peu bizarres et tout. Ouais, c'est vrai. Et ça va s'en aller ou pas, tu penses? Je sais pas, ça se passe plus très bien depuis un moment, mais comme on se voit qu'une fois par an, souvent on oublie un peu. Le village s'endort. Je vais alors appeler Cupidon. Il va me désigner deux personnes qu'il souhaite unir par les liens de l'amour. Je vais alors tapoter l'épaule des deux âmes sœurs. Les deux âmes sœurs vont pouvoir se réveiller, se reconnaître et s'aimer instantanément. Le village va pouvoir se réveiller. Ah, ça a bougé hein, cette nuit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Angèle et Loane, j'ai entendu, elles se sont levées, je pense que c'est les amoureuses. Ouais, je pense. Moi, je pense que Claudia, elle est loup-garou. Loup-garou. C'est toi, Loup-garou. Ouais. Mais tu disais c'est toi. Mais c'était toi. C'était bien l'année dernière, pourquoi tu veux pas reboire le thé? Non, mais plus tard, t'inquiète. Pourtant, t'avais bien aimé, t'avais dit oui, enfin, je vois pas le problème. Hein. Oui. Y a pas de problème. Oh, mais regarde Clara, il y a un mini-golf là. Oh, trop bien! Mais t'es pas là l'année dernière. Ouais, t'es pas là. Ben oui, on pourra faire un tour si tu veux. Ouais. Ouais. Et tu vois, je me suis fait des amis cet après-midi. C'est vrai? Ouais. Ah, je crois que c'est ses fameux amis. Ah, oui. Je peux y aller? Ouais, tu peux y aller, merci. Ouais. Allez, amusez-vous bien. Et rentre pas trop tard, d'accord? Parce que c'est bientôt prêt là. Allez, à toutes. C'est cool ce mini-golf. Bon, et toi là? Je crois que je t'ai pas vu. Oui. T'as rien dit de tout ce moment là qu'on vient de passer ensemble là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, je t'ai déjà raconté que je préférais prendre le thé avec les filles qu'avec les garçons. Ouais. Et dernièrement, au camping, j'ai vu une fille qui est ma foi plutôt mignonne. Et on a bien passé beaucoup de temps avec elle. Enfin, pas ses pas. Le problème, c'est qu'elle a un copain. Elle a un copain? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bah, tout ce que je peux te dire, c'est déjà d'une profiter.
Si t'aimes passer du temps avec cette fille, bah, profite des moments sans te prendre forcément la tête. Enfin, en plus, tu pourras aller au mini-golf avec elle, ça va être cool. Et puis, voilà, profite et surtout, protège-toi. Salut Clara. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ça va grave bien. Ah ben, superbe. Tu fais quoi ici? Tu fais du skate? Non. Non, tu en fais pas? Tu veux pas essayer ou... Bah, tout à l'heure, pas pour l'instant. D'accord. Tu vas à la pompe ce soir? Ouais. Ah ouais, cool, tu vas avec quelqu'un? Non. Non? Il faut que je te dise un truc. Ouais, vas-y. Bah, je crache sur ton cousin. C'est vrai? Ouais. Tu le trouves comment ou... Bah, je le trouve mignon. Tu le trouves mignon? Ouais. Ah, c'est cool. Parce que tu vois, lui, il m'avait dit qu'il te trouvait mignonne, gentille et sympa et belle et tout ça, quoi. D'accord. Bah, du coup, bah, ce soir, hein. Bah, ouais. Bah, oui, je dois y aller, donc... Salut. Salut. Alors, tu veux encore me dire quelque chose? Ouais, j'ai bien compris que tu voulais encore boire du thé, mais moi, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et je trouve que t'as vraiment changé, Lucas. Bah, faudrait peut-être que tu te poses les bonnes questions, parce que l'année dernière, tu voulais bien. Tu m'avais dit oui, t'avais bien aimé. Donc, c'est peut-être toi qui forces aussi. Je t'arrête tout de suite. Tu deviens un lourdeau, là, à essayer de me forcer. Et tu me mets dans des situations hyper inconfortables. Oh, tu vas t'arrêter, parce que vraiment, je pense que t'es douillette, là. Vraiment, tu moi, fais la folle. Mais t'es un... Tu sais quoi, j'ai même plus les mots. Ouais, c'est ça, casse-toi, de toute façon je n'aimais pas tenter, espèce de morue.